Donc, en guise d'introduction, je voudrais faire un rappel sur ce qu'était la place du Moyen-Orient dans l'Empire britannique dans la première moitié du XXe siècle, et j'essaierai aussi de vous présenter la dynastie hachémite avec laquelle donc, les Britanniques ont coopéré pour maintenir des intérêts, donc essentiellement en Irak et en Jordanie. Donc, avant la Première Guerre mondiale, le Moyen-Orient ne faisait pas vraiment partie des zones qui apparaissaient en rouge ou en rose sur les cartes de l'Empire britannique, puisque le rouge ou le rose était la couleur avec laquelle on représentait les colonies britanniques. Donc ça veut dire que finalement, c'était pas un contrôle direct qui s'exerçait dans cette région de la part des Britanniques, ce qui ne veut pas dire que la Grande-Bretagne n'exerçait pas son influence, bien au contraire. La Grande-Bretagne ainsi que d'autres puissances européennes intervenaient très régulièrement dans la politique des territoires arabes de l'Empire ottoman. Mais en tout cas, le Moyen-Orient n'était pas, c'était pas vraiment des possessions coloniales à proprement parler. Alors, le tournant, c'est justement la Première Guerre mondiale. Donc ça, c'est justement une carte du Moyen-Orient après la Première Guerre mondiale. Donc c'est un tournant parce que l'Empire ottoman donc, décide de rejoindre l'Allemagne. Et le sultan ottoman, qui est aussi calife de l'islam, donc il a une double autorité à la fois politique et religieuse, lance un appel au djihad en espérant, et donc l'Allemagne espère justement profiter de cet appel au djihad pour que les sujets musulmans donc de l'Empire britannique et également donc les musulmans de l'Empire français se retournent contre les Français et les Britanniques. Donc ça fait très peur aux Britanniques, en fait, cet appel au djihad. Ils ont peur de l'influence que ça peut avoir, notamment en Inde, où ils ont beaucoup de sujets musulmans. Et donc ça explique en partie pourquoi les Britanniques ont cherché à s'allier à la dynastie des Hachimites. Ça va être en partie donc pour avoir une alliance avec une dynastie qui, elle aussi, jouit d'une forte légitimité d'un point de vue religieux pour espérer donc contrer cet appel au djihad du sultan ottoman. Alors, les Hachémites, qui sont-ils ? Le nom de leur dynastie vient du nom d'un ancêtre du prophète de l'islam. Les Hachémites appartiennent à la même tribu que celle du prophète. Donc ils ont le statut de shérif, qui veut dire noble, et donc c'est un statut qu'on attribue donc à ceux dont la descendance, ou plutôt l'ascendance, est avérée. Et donc, traditionnellement, les Hachémites sont en fait les gardiens des lieux saints, donc ils officient à la Mecque. Donc ils reconnaissent tout de même l'autorité de l'Empire ottoman, jusqu'à la Première Guerre mondiale du moins. Donc ils se doivent de reconnaître l'autorité du sultan, mais ils jouissent d'une grande autonomie localement. Et ils ont notamment autorité sur les tribus du Hejaz et de la Transjordanie. Alors, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, le shérif de la Mecque s'appelle Hussein ibn Ali. Et il a 4 fils, dont 2, disons, vont jouer un rôle important pendant la Première Guerre mondiale et surtout après. Je vais juste essayer de montrer l'arbre généalogique. Si ça veut bien s'ouvrir. Alors. Je me suis perdu peut-être. Je ne sais pas si on peut le mettre en page pleine. C'est quoi ce truc-là? Je ne sais pas du tout. J'avais téléchargé, on ne peut pas grossir. Non, c'est pas comme sur Mac, je ne sais pas. Ouais, non. Non, je ne sais pas. Non, c'est pas sûr. Peut-être. Zoom. Ouais, c'est mieux. Oui, c'est bon, ouais, je pense que c'est bon. Merci. C'était défilé là, si tu as besoin. Ouais. Donc, en fait, voilà, l'arbre généalogique, disons, des Hachémites. Donc, tout au-dessus, on a justement donc, le shérif de la Mecque et donc 3 de ses fils. Donc, c'est essentiellement, en fait, Abdallah et Faisal qui vont jouer un rôle important pendant la Première Guerre mondiale et surtout après. Donc, comme je le disais tout à l'heure, aux yeux des Britanniques, cette famille jouit d'une forte légitimité et d'une forte autorité religieuse, puisqu'ils descendent du prophète. Et ils ont aussi, aux yeux des Britanniques, un fort capital social, puisqu'en fait, pour les Britanniques, le fait qu'ils descendent, qu'ils appartiennent à une lignée aussi noble et aussi prestigieuse,
ça leur donne l'image aux yeux des Britanniques d'une sorte d'aristocratie, une sorte d'aristocratie arabe. Et leur relation avec les tribus du Hedjaz constitue bien évidemment un atout dans le contexte de la guerre qui va éclater. Donc, au cours de la Première Guerre mondiale, le shérif Hussein va choisir de s'allier aux Britanniques. Donc, il déclenche ce qu'on a appelé la révolte arabe en 1916. Donc, il prend les armes contre l'Empire ottoman aux côtés des Britanniques. Pourquoi ? Parce que les Ottomans s'apprêtaient, avant la guerre, très certainement à le remplacer. Ils étaient en conflit. Et aussi parce que les Britanniques lui promettent, je mets des guillemets à promettre, puisque c'est assez compliqué, est-ce qu'ils l'ont vraiment promis ou pas. Donc je passe un peu rapidement là-dessus, mais en tout cas, Hussein s'attend à être récompensé de cette alliance avec les Britanniques par un grand royaume arabe indépendant, dont il prendrait la tête après la guerre. Donc cette révolte arabe, en quoi elle consiste ? Ce sont essentiellement donc, des opérations de guérilla menées par les tribus du Hedjaz et de Transjordanie, contre la ligne de chemin de fer du Hedjaz qui ravitaille les Ottomans. Et donc ce sont des officiers britanniques qui encadrent cette révolte, dont le plus célèbre d'entre eux, Thomas Edward Lawrence, donc, qui est devenu connu sous le nom de Lawrence d'Arabie. Il y a également une mission militaire française pendant la révolte arabe, c'est moins connu, mais donc c'est pas encadré uniquement par les Britanniques, les Français sont là aussi, essentiellement pour surveiller les Britanniques, mais bon, on pourra y revenir plus tard. Alors, parallèlement à cette révolte arabe donc, qui se déroule dans le Hedjaz et en Transjordanie, pendant la Première Guerre mondiale, les Britanniques prennent également pied dans le golfe Persique, au sud de ce qu'ils appelaient encore à l'époque la Mésopotamie. Là, c'est vraiment motivé par la défense du golfe Persique et de l'accès, évidemment, à l'Inde, qui reste la colonie la plus importante. Et donc, tout l'intérêt du Moyen-Orient pour les Britanniques, c'est justement protéger l'accès à l'Inde. Donc, finalement, ils avancent, ils se contentent pas de conquérir le sud de la Mésopotamie et ils prennent Bagdad en 1917. La même année, ils conquièrent également Jérusalem. Alors, la Palestine revêtit une importance particulière pour les Britanniques puisqu'elle est extrêmement proche de l'Égypte et du canal de Suez, qui est vraiment donc l'artère cruciale en fait pour l'Empire britannique, évidemment au niveau des communications. Après la guerre, les Hachimites vont tenter de peser sur le règlement justement d'après-guerre pour défendre les intérêts arabes. Donc ils vont essayer d'obtenir le grand royaume qui leur avait été promis. Et donc Faisal, l'un des fils d'Hussein, se rend à la conférence de la paix après la Première Guerre mondiale. Cependant, en fait, les intérêts coloniaux vont primer, et notamment donc, les intérêts britanniques bien évidemment, mais aussi les intérêts français. Donc les Hachimites n'obtiendront pas le grand royaume auquel ils prétendaient. Mais l'année qui suit la conférence de la paix, donc en 1920, il y a la conférence de San Remo qui va attribuer aux Français et aux Britanniques donc des mandats de la Société des Nations. Et donc les Britanniques obtiennent deux mandats, un sur l'Irak et l'autre sur la Palestine. Et le mandat sur la Palestine va en fait inclure dans un premier temps le territoire de la Transjordanie qui deviendra plus tard la Jordanie, le royaume hachémite de Jordanie. Et les Britanniques vont décider de confier, si je puis dire, les trônes de ces deux pays, donc l'Irak et ce qui deviendra la Jordanie, aux deux fils d'Hussein qui avaient été impliqués dans la révolte arabe. Donc Faisal va être intronisé roi d'Irak en 1921 et Abdallah va devenir émir, donc c'est un statut moindre, émir de Transjordanie. Donc par ce biais, les Britanniques vont faire de ces deux pays des États clients. Et en plus, il y a également donc, le père Hussein qui, après la guerre, lui, est roi du Hedjaz, jusqu'en 1925, quand il sera renversé par Ibn Saoud. Donc ça fait trois États clients, mais moi je vais surtout me concentrer donc, sur l'Irak et la Jordanie. Donc on peut dire que Faisal et Abdallah vont finalement être des intermédiaires politiques pour donc, faciliter la domination britannique dans ces deux pays. Donc cette relation entre les Britanniques et les Hachémites, elle est intéressante puisque
On peut considérer que les hachémites sont des instruments de la domination britannique. Effectivement, ils vont la faciliter, mais d'un autre côté, ils tirent eux aussi parti de cette alliance avec les Britanniques qui leur permet de continuer à exister politiquement après la guerre, donc de devenir des souverains. Et ils vont aussi essayer finalement de défendre leurs propres intérêts, leurs propres ambitions. Donc on n'est pas dans la simple subordination, on est plutôt dans une forme de coopération avec des rivalités et des jeux de pouvoir assez complexes qui se mettent en place dans les deux pays. Alors tout d'abord, en quoi est-ce qu'on peut dire que les hachémites facilitent la domination britannique en Irak et en Jordanie? Alors d'abord un mot sur le cadre légal de cette domination. J'ai parlé des mandats de la Société des Nations. Donc les textes officiels de la Société des Nations définissent les mandats comme une mission sacrée de civilisation. Donc c'était l'idée vraiment que les pays les plus avancés, ceux qui avaient aussi le plus de moyens, faire preuve de bienveillance et devaient guider en fait les anciennes provinces donc des empires qui avaient été défaits pendant la guerre. Donc le but en fait c'est de les amener progressivement vers l'indépendance et de faire d'eux des États-nations. Donc on n'est plus dans du colonialisme à l'ancienne, si je puis dire, dans le sens où avec la Société des Nations il y a un droit de regard et donc les Britanniques doivent écrire des rapports annuels qui rendent compte à la Société des Nations des avancées, des progrès mis en place par eux-mêmes pour donc faire avancer ces pays vers la voie donc vers l'indépendance. Alors, cependant, donc les historiens qui sont penchés sur l'histoire de la Société des Nations ont montré que, même si c'était plus du colonialisme à l'ancienne, il y avait encore, dans une certaine mesure, une grande tolérance pour les intérêts coloniaux des grandes puissances européennes. Je pense notamment aux travaux de Susan Peterson sur la Société des Nations. Et d'ailleurs, ces rapports annuels que les Britanniques rédigeaient et qui étaient destinés à la Société des Nations ne contenaient pas toujours l'entière vérité, donc ils pouvaient aussi travestir un peu les faits pour tourner les choses à leur avantage. Voilà. Donc finalement, l'alliance avec les hachémites, ça permet aux Britanniques d'installer en Irak et en Jordanie une forme de gouvernement indirect, donc cette forme de gouvernance qui a été mise en place dans plusieurs endroits de l'Empire britannique, donc qui consiste, pour faire simple, à s'appuyer sur des intermédiaires. Et cette solution est finalement pratique parce qu'elle est beaucoup moins coûteuse. On en parlait tout à l'heure, s'appuyer sur des élites locales ou sur des communautés locales, c'est beaucoup moins coûteux que d'avoir des administrations entières qui vont être sur place. En installant ces souverains arabes à la tête de ces pays, ils peuvent aussi donner une apparence de légitimité, de crédibilité à ces nouveaux États. Et puis ça leur permet donc d'apaiser d'une certaine manière, dans une certaine mesure, les revendications nationalistes. Donc les hachémites sont intronisés en tant que souverains d'Irak et de Jordanie, mais c'est assez ironique puisque quand ils le sont en 1921, si on prend par exemple la cérémonie de couronnement de Faisal, je dois avoir une photo. Alors, c'est celle-là. Donc là, c'est pareil. Je vais essayer. Très bien. Donc là, c'est un plan assez rapproché. On n'a pas une vision de toute la scène. Mais donc ça, c'est le jour du couronnement de Faisal. Et finalement, c'est assez maladroit de la part des Britanniques qui ont mis en scène ce couronnement, puisque la scène était extrêmement grande. Et le siège, on peut le voir un petit peu ici, était un peu trop grand pour le roi aussi. Et en fait, il est entouré de dignitaires britanniques, de militaires britanniques. Quand on voit d'autres photos, ce sont essentiellement des officiels et des responsables britanniques qui sont assis au premier rang. Et comme l'Irak n'est pas encore un État-nation, que c'est justement le début de cette mission mandataire, les Britanniques ne trouvent rien d'autre comme symbole pour ce couronnement que les symboles britanniques. Donc à la fin de la cérémonie, c'est l'hymne national britannique qui est joué, il y a des drapeaux britanniques, voilà, à défaut d'autre chose. Donc plus tard, les Britanniques se livreront un peu à l'invention de la tradition,
Donc plus tard, ils se diront, bon, il faudrait quand même qu'on invente un drapeau, qu'ils aient leur propre hymne, etc. Mais donc au début, c'était pas le cas. Donc finalement, les pouvoirs des souverains hachémites sont quand même définis constitutionnellement, mais ils sont extrêmement limités. Disons que dans les faits, les Britanniques gardent la mainmise sur les pouvoirs les plus importants. Donc d'après les dispositions légales, les Britanniques ont le contrôle de l'armée, des finances, de la politique fiscale, des relations extérieures, et surtout leur domination s'exerce à travers des conseillers qui sont présents dans tous les ministères irakiens. Donc voilà, donc ce sont des figures discrètes de la domination, ces conseillers, mais ils sont en même temps omniprésents. En Transjordanie, les choses sont un petit peu différentes parce que le territoire lui-même est très différent. C'est très peu peuplé, c'est assez largement désertique. Donc Abdallah est uniquement entouré d'un conseiller britannique. Son titre en anglais à ce représentant britannique, c'est le Chief British Representative, donc le représentant britannique en chef. Donc dans le cas de la Jordanie, on n'essaye même pas de travestir, vraiment de cacher à qui revient l'autorité réelle. Et donc il y a bien une constitution, une assemblée législative qui voit le jour, mais donc clairement, selon ces dispositions, encore une fois, la Grande-Bretagne reste la maîtresse de la politique économique, de l'embryon d'armée qui se crée en Transjordanie, de la justice, des transports, etc. Donc tout est vraiment du ressort de ce représentant britannique en chef. Alors, à quoi servent les hachémites dans ce cas, justement, si tous les pouvoirs réels reviennent aux Britanniques? En fait, les hachémites facilitent la domination des Britanniques dans ces pays parce qu'ils vont agir comme des instruments de contrôle politique et social. Ils ont été choisis comme alliés par les Britanniques parce que les Britanniques pensaient que les membres de cette famille étaient particulièrement à même d'interagir avec différentes communautés. Communautés, que ce soit des communautés religieuses, par exemple, si je prends le cas de l'Irak, étant donné donc que Faisal, en tant que hachémite, est un descendant du prophète, les Britanniques pensaient qu'il serait respecté à la fois des sunnites mais également des chiites, qu'il serait respecté des Kurdes, qui sont musulmans mais qui ne sont pas arabes. Donc ils espéraient un peu que ce statut prestigieux pouvait vraiment transcender l'hétérogénéité donc de la population irakienne. En Transjordanie, on pensait aussi qu'Abdallah pourrait parler à tout le monde, que ce soit aux villageois, aux citadins ou alors aux chefs de tribus, puisqu'il y a beaucoup de tribus en Transjordanie. Ces tribus, elles peuvent être sédentaires, elles peuvent être nomades ou semi-nomades. Donc il y a vraiment cette image des hachémites comme ayant une grande capacité d'adaptation qui tient en fait à leurs origines. Ils sont nés dans le Hedjaz. Quand ils étaient enfants, ils ont été envoyés vivre auprès des tribus du Hedjaz. Donc ils ont les codes de sociabilité de ces tribus. Et en même temps, plus tard, ils ont été des représentants des provinces arabes au sein du Parlement ottoman avant la Première Guerre mondiale. Où là, évidemment, ils ont été initiés un peu à la politique internationale dans ce qui était la capitale de l'Empire ottoman. Donc les Britanniques voient vraiment en eux des intermédiaires qui pourront parler à différents groupes. Donc, en Transjordanie notamment, le rôle d'Abdallah est vraiment d'agir comme un médiateur, notamment dans les conflits entre les différentes tribus. Et son rôle, c'est aussi de réconcilier les tribus, surtout celles qui étaient nomades, de les réconcilier à l'idée qu'on va imposer un État moderne avec des frontières, et que donc il n'est plus question de traverser la frontière pour aller en Syrie, ou plus tard dans ce qui sera l'Arabie Saoudite, pour se livrer donc à des razzias, ce qui faisait partie de leurs habitudes. Donc il faut réussir à leur faire accepter cette imposition de nouvelles normes étatiques. Donc les Britanniques, finalement, plutôt que, afin d'imposer justement ces nouvelles normes étatiques, plutôt que d'imposer les choses par la force, ils vont en fait essayer de coopter les chefs de tribus dans les institutions naissantes de la Transjordanie. Et Abdallah, là encore, a un rôle important à jouer, c'est lui qui doit convaincre les chefs de tribus
donc d'accepter ce nouveau statu quo, de participer à l'État qui est en train de naître. Et donc c'est un rôle assez important. Donc on voit comment les Britanniques, plutôt que de contraindre les forces sociales des territoires qui dominent, essayent plutôt de s'appuyer sur elles en les cooptant et en les intégrant autant que possible. Donc les Hachémites sont des intermédiaires politiques, mais aussi sociaux et presque un peu culturels aussi. Ils ont vraiment cette capacité, disons, de jeter des ponts entre différents mondes. Alors, ceci dit, les Hachémites ne sont pas que des instruments au service de la domination britannique. Ils vont en fait avoir à cœur de défendre aussi leurs propres ambitions et leurs propres intérêts, en tout cas autant que faire se peut. Donc tout dépend vraiment de la marge de manœuvre qu'ils arrivent à se créer vraiment pour eux-mêmes. En Transjordanie, c'est assez difficile pour Abdallah de se créer une marge de manœuvre, tout simplement parce qu'il n'y a pas une population qui est vraiment politisée de longue date. Donc il n'y a pas vraiment... disons que c'est difficile pour Abdallah de s'appuyer sur une communauté précise pour faire contrepoids aux Britanniques. Par contre, Faisal fait ça très bien en Irak. Donc en Irak, comme la population est plus hétérogène, donc je le disais tout à l'heure, il y a les sunnites, les chiites, les kurdes, etc. Et toutes ces communautés sont autant de clientèles politiques potentielles. Et donc le fait qu'il y ait cette multiplicité d'acteurs politiques, c'est propice à créer des alliances et des contre-alliances. Et donc que ce soit Faisal ou les Britanniques, donc s'appuient tantôt sur un groupe pour faire contrepoids... pour contrer finalement la stratégie de l'autre. Donc Faisal a recours à ses contre-alliances. Il essaye aussi pour défendre ses propres intérêts quand il est en désaccord avec la politique britannique. Il est contraint évidemment, mais il utilise des moyens indirects. Donc ça peut être par exemple subventionner discrètement un journal d'opposition. Ça peut être pousser des ministres à la démission pour montrer son désaccord avec la politique britannique. Voilà, ce genre de choses. Donc, et Faisal fait ça dès le début du mandat. Donc vraiment, dès le début du mandat, il n'a eu de cesse d'essayer vraiment de se créer cette marge de manœuvre. Le but de tout ça étant, en fait, à ses yeux, d'accéder à l'indépendance le plus rapidement possible. Puisque Faisal a tout de suite voulu se défaire en fait de cette dépendance envers les Britanniques. En tout cas, il a essayé. Et on peut dire que les Hachémites étaient effectivement dans une situation très délicate, puisqu'ils sont censés incarner un État, ils sont censés incarner de nouveaux États-nations, et en même temps, ils doivent cette position à une puissance étrangère. Donc ils essayent, comme ils le peuvent, de se détacher, de se défaire de l'influence des Britanniques. Un peu plus tard, quand ce seront les successeurs d'Abdallah et de Faisal au pouvoir dans ces pays, puisqu'on est dans des monarchies, donc le pouvoir passe à leur fils, dans les années 30 et 40, par exemple, les successeurs, notamment le successeur de Faisal, le roi Razi, essaiera plutôt de contrer l'influence des Britanniques à travers la politique étrangère. Donc les Britanniques décident encore en grande partie ce qui se passe à l'intérieur de l'Irak. Mais on a un roi irakien qui va par exemple soutenir les nationalistes palestiniens ou alors soutenir l'intégration du Koweït à l'Irak, alors que le Koweït est très important pour les Britanniques. Donc voilà, à travers des moyens détournés par la politique régionale ou la politique étrangère, on voit aussi comment les Hachémites essayaient de se créer encore une fois une marge de manœuvre et de se défaire de leur dépendance envers les Britanniques. Alors, donc rapidement, donc pour terminer, finalement, si on essaye de résumer ce que cet appui sur les Hachémites, ce que ça a apporté à la Grande-Bretagne, ça leur a apporté finalement une domination à l'échelle régionale, donc pas que en Irak et en Jordanie, mais étant donné que leurs intérêts stratégiques en Irak et en Jordanie, c'était surtout les bases aériennes, parce que tout le Moyen-Orient, en fait, dans l'entre-deux-guerres, la stratégie militaire des Britanniques repose sur l'aviation et les bases aériennes. Et donc on a une chaîne de voies de communication qui va de la Méditerranée au Golfe Persique. Et donc au milieu de cette chaîne, on trouve justement l'Irak et la Jordanie. Donc il y a aussi des pipelines qui transportent le pétrole du Golfe et qui l'acheminent en Méditerranée. Il y a aussi des routes qui transportent d'autres produits. Donc
voilà tout l'intérêt en fait d'avoir pied dans ces deux pays, donc pour avoir une présence plus large au niveau de la région en entier. Et puis il faut aussi souligner la capacité d'adaptation des Britanniques, puisque finalement ils accordent leur indépendance à ces pays assez rapidement, mais en tout cas ce sont des indépendances formelles, c'est-à-dire que même après ces indépendances, à travers la conclusion de traités bilatéraux avec ces pays, les Britanniques arrivent à prolonger leurs intérêts jusqu'au milieu des années 50. Donc même si l'Irak est indépendante, la Grande-Bretagne jouit encore de bases aériennes, ou en tout cas elle a le droit de faire passer des troupes sur ces bases en cas de guerre. Donc voilà quelques-uns des moyens grâce auxquels les Britanniques arrivent à maintenir leurs intérêts, jusqu'à donc la crise du canal de Suez et jusqu'à 1958 avec donc la révolution irakienne qui va donc renverser la monarchie hachémite, donc au cours de laquelle les descendants de Faisal sont assassinés, et donc on a un régime d'inspiration baasiste qui prend le pouvoir en Irak. Donc là, c'est vraiment la fin de ce qu'on a appelé le moment britannique au Moyen-Orient, donc qui se termine voilà 2 ans après la crise du canal de Suez. Et donc pour conclure très très rapidement, j'espère avoir montré que cette relation entre les Britanniques et les hachémites, elle est plus complexe que juste une relation de dominant et de dominé, et que finalement donc si la relation avec les hachémites a bien facilité la domination des Britanniques. En tout cas, cette domination n'allait pas de soi, dans le sens où les Britanniques doivent constamment négocier et renégocier avec donc les acteurs locaux. Et ils doivent, ça demande aussi une grande capacité d'adaptation, adaptation au contexte local avec la montée du nationalisme, adaptation au contexte régional avec les différentes rivalités des autres puissances impériales, et aussi le contexte international avec de plus en plus la critique de l'impérialisme.